Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent. Si vous avez raté la première ouverture du calendrier de l'Avent The Body Shop, je vous la mettrai dans le petit i. Et aujourd'hui, on s'attaque au calendrier de l'Avent Nuxe. Cette année, le calendrier de l'Avent Nuxe se présente comme ceci. Alors, je dois avouer être moyennement fan de son design qui est assez sombre. Alors certes, on retrouve du vert sapin, mais j'ai tendance à préférer les choses un petit peu plus noéliques, comme dirait Hélène mon blog de fille. Mais on ne juge pas un livre à sa couverture, j'ai hâte de découvrir son contenu. C'est la toute première fois que j'ouvre un calendrier de l'Avent Nuxe. L'année dernière, j'avais été assez déçue par son contenu puisqu'il était en partenariat avec Kusmiti, je crois. Et il y avait en fait un bon nombre de cases dans lesquelles on ne trouvait qu'un sachet de thé. Cette année, la marque a fait un effort supplémentaire puisqu'elle propose 24 cases avec des produits Nuxe pour un prix équivalent à l'année dernière. Celui-ci est vendu au prix de 69 €, donc j'ai trop hâte de découvrir ce qu'il contient. Pour des raisons pratiques, je ne vais pas passer la vidéo avec le calendrier de l'Avent sur l'épaule, du coup je vais le mettre sur mes genoux et déballer les cases au fur et à mesure pour vous montrer leur contenu. C'est parti, on commence tout de suite avec la case numéro 1, non ? Dans la première case, on retrouve l'iconique huile prodigieuse qui est une huile sèche multifonction visage, corps et cheveux que je connais et que j'aime énormément, notamment pour son odeur et pour le fait qu'elle ne laisse pas de fini-gras sur la peau. Je l'ai utilisée pendant des années, maintenant sa composition m'a fait passer souvent à d'autres produits, mais elle est très bien, elle sent très très bon et je trouve que le format est idéal pour découvrir ou pour l'emporter partout avec soi. Et il existe aussi une version pailletée, alors peut-être que je m'avance puisqu'on va peut-être la retrouver dans le calendrier, mais très contente de cette première case. Et à l'intérieur, il y a un petit mot avec marqué « Sublimez votre beauté naturelle » en plein de langues différentes ici. Donc je sais pas si... Et la musique. Je sais pas si on va avoir le même petit mot sur toutes les cases ou s'il y a des attentions différentes, mais je trouve que c'est plutôt chouette. Dans la case numéro 2, nous avons une gelée purifiante micro-exfoliante usage quotidien, élimine l'excès de sébum et gomme les irrégularités. Et je vous confirme que les petits mots sont adaptés au produit puisqu'ici on nous explique un petit peu le fonctionnement du produit, donc je trouve que c'est assez chouette. Je vais pas vous lire toutes les cases parce que ça risque d'être très long, mais en tout cas pour celles qui auront le calendrier, c'est toujours sympa de savoir comment on utilise les produits et pourquoi ils sont faits. Ici c'est un format 15 ml, donc ça permet quand même de tester, et le produit est conseillé pour les peaux mixtes. Pourquoi pas ? Dans la troisième case, on retrouve la crème fraîche de beauté qui est un produit que je connais, de nouveau en format 15 ml, qui est une crème hydratante 48 heures anti-pollution et qui est très chouette, tant du point de vue de la texture que du point de vue de l'odeur. Donc trop contente qu'elle se retrouve dans ce calendrier, comme ça tout le monde pourra la tester. Et elle est conseillée pour les peaux normales. Dans la quatrième case, de nouveau un produit que je connais bien puisqu'il s'agit de la crème mains et ongles rêve de miel qui a une odeur à tomber, je l'aime trop. Et je suis très contente de la retrouver aussi dans ce calendrier, c'est un format de 15 ml de nouveau, donc idéal pour glisser dans le sac à main et l'emporter partout avec soi. Et oh là là, si vous la connaissez pas, allez la sentir en parapharmacie, je pense que vous ne serez pas déçus. Cinquième case. Ouh, dans la cinquième case, si j'arrive à le... Ça y est, c'est un petit pot Hydra Masque, masque détoxifiant plus éclat. Eh bien, je ne connais pas du tout ce produit, peut-être est-ce une nouveauté. De nouveau un format 15 ml à utiliser une à deux fois par semaine sur le visage. Donc là, pour un format masque, ça va utiliser beaucoup plus de produits, donc je pense qu'on en a pour une ou deux utilisations, mais ça permet quand même de se rendre compte. 2 minutes de temps de pause, donc ça c'est chouette pour les pressés comme moi qui n'aiment pas attendre une demi-heure que leur masque pose. Et bah écoutez, contente de découvrir cette nouvelle référence et je pense qu'elle conviendra à tout le monde. Je trouve ça chouette d'avoir dans le calendrier de l'Avent des produits adaptés à différents types de peau, mais ça pose le problème que certains ne seront pas adaptés aux consommatrices. Alors que là, ce produit-là par exemple convient vraiment à tout le monde et je trouve ça top. Number 6.
Dans la sixième case, je découvre un autre produit de la gamme Rêve de Miel que j'aime tant, qui est le gel nettoyant et démaquillant visage pour les peaux sèches et sensibles. Alors si ça peut vous rassurer, je n'ai pas du tout la peau sèche, j'ai la peau mixte mais sensible et je l'ai déjà utilisé, pas sur du long terme mais sur des vacances et ma peau a complètement toléré, donc voilà, ça reste un petit format, donc je pense que même si vous n'avez pas le type de peau annoncé, vous pourrez l'utiliser et j'avais beaucoup aimé ce produit qui sent trop bon, mais ça je vous l'ai déjà dit. Numéro 7, je sens toutes les bonnes odeurs des produits alors que je n'ai même pas ouvert les flacons. Ah bah voilà, j'en parlais tout à l'heure, on retrouve ici l'huile prodigieuse or, donc c'est la même chose que tout à l'heure, l'huile sèche visage, corps et cheveux. Alors visage en format pailleté, peut-être pas pour moi du moins, mais sur les jambes quand on veut avoir l'air un petit peu hâlé et on veut avoir le décolleté qui scintille pour les fêtes par exemple, c'est vraiment trop joli. Je crois que je la préfère encore à la version classique, donc je suis ravie. Numéro 8. Ah, une grande case pour le 8. Ouh, de nouveau un produit que je connais et que j'aime énormément. Il s'agit du gel douche fondant aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. Alors ça, si vous aimez les odeurs gourmandes mais pas trop sucrées, vous allez adorer. On a un format 30 ml, donc je trouve ça vraiment chouette pour un format douche, parce que 15 ml ça aurait été vraiment trop petit, donc c'est vraiment pas mal pour tout type de peau. Il existe aussi le gommage dans cette gamme que j'adore, et je vous avais écrit sur le blog il y a fort longtemps un article sur ce petit duo, donc si ça vous intéresse je vous le mettrai quand même en barre d'infos, mais je suis ravie. 9ème case, de nouveau une grande case. Ah, un produit pour les messieurs. Nous avons cette fois-ci de la gamme Nuxe Men le gel douche multi-usage aux extraits de chêne et de charme, visage, corps et cheveux. Donc là, le tout en un pratique pour ces messieurs, n'est-ce pas? Eh bien écoutez, je le donnerai à l'amoureux qui va être ravi peut-être qu'il vous donnera son avis dans une prochaine vidéo. C'est pas gagné, mais je vous ferai sûrement un retour d'ici quelques mois sur les produits garçons, puisque mine de rien, grâce au blog et au calendrier, etc., ils testent pas mal de choses, donc écoutez, pourquoi pas un retour d'ici plusieurs mois. Et on passe tout de suite à la 10ème case que j'ai perdue, toute petite, cachée. Oh, trop mignon! Dans le même format que tout à l'heure, on a le Insta Mask, qui est un masque exfoliant et unifiant. Donc c'est le même format que le précédent, qui était le... Ah bah c'est pareil, Insta Max. Alors tout à l'heure on a eu détoxifiant et là on a exfoliant, voilà la différence. Donc toujours en format 15 ml, trop chouette de pouvoir tester différentes variantes du produit pour acheter celui qui nous convient le mieux. Et le packaging rose, c'est trop mignon. 11ème case. On a cette fois-ci la crème prodigieuse Boost, qui est une crème gel multicorrection pour peau normale à mixte, toujours en format 15 ml. Eh bien, je ne connais pas du tout ce produit et pour le coup, c'est mon type de peau. Donc, je la testerai et je vous en donnerai des nouvelles. Mais de nouveau, très chouette d'avoir une crème pour le visage. Il me semble que c'est la deuxième. Donc, ça permet de tester et les petits formats comme ça pour les week-ends et les vacances, on adore. 12, la moitié. Alors, nous avons ici prodigieux lait parfumé, lait corps sublimateur hydrate, satine et illumine, donc de la même gamme que l'huile prodigieuse, donc je pense qu'elle a aussi la même odeur, même gamme que celui-là, et toujours en format 15 ml, et ici, tout type de peau, comme souvent pour les produits corps, ou alors c'est les peaux sèches, mais en général on peut tout utiliser les mêmes produits, donc très sympa. Numéro 13. Numéro 13 a disparu. Je suis la seule à être toujours nulle et toujours chercher les numéros des cases. Non mais j'ai vraiment perdu la numéro... Ah ça y est,
sous mon nez, évidemment. Lèvre de miel, crème visage ultra réconfortante, relipide, apaise et répare. Donc là pour le coup c'est un produit que je ne pourrais pas utiliser puisqu'elle est conseillée aux peaux sèches et sensibles et je pense qu'elle va être trop nourrissante pour moi, mais c'est sympa d'avoir plusieurs produits de la même gamme. Tout à l'heure on a eu le gel nettoyant et maintenant on a la crème, donc ça permet de se constituer vraiment une petite routine et de voir si elle nous convient. Donc je trouverai forcément une copine à qui ça fera plaisir, n'est-ce pas? Dans la 14, qui est une toute petite case, nous avons à première petite déception, une eau de parfum en format vraiment échantillon. Alors je trouve que c'est vraiment riquicus. Il n'y a même pas le format dessus. Mais vraiment ce sont les formats qui nous sont donnés lors des achats. Donc ça pour moi ça n'a pas trop d'intérêt. Oui ça permet de découvrir, mais je pense que l'odeur, le matin des possibles... J'allais dire l'odeur se retrouve peut-être dans certains produits, alors peut-être pas parce que ça ne me parle pas, mais un peu déçue là, pour le coup. 15. Ah, grande case. Je viens de déchirer le calendrier. Nous avons, faisons comme si on n'avait rien vu, le prodigieux, la prodigieuse huile de douche, douche précieuse parfumée au nacre doré. On n'a pas eu ça déjà tout à l'heure? Attendez, j'ai un doute. Ah non, c'était le lait corporel. D'accord, pour aller avec. Donc comme tout à l'heure pour tout type de peau et format 30 ml pour les produits douche, eh bien parfait. Petit duo à essayer pour prolonger un peu l'été qui commence à être un petit peu loin là quand même. On passe à la 16e case. Dans la 16e case, nous avons le gel lavant sur gras visage et corps apaise adouci au miel et tournesol pour les peaux sèches et sensibles. Donc cette fois-ci, c'est aussi un gel douche de la gamme Rêve de miel, toujours en format 30 ml et toujours avec cette délicieuse odeur que l'on sent même à travers le flacon. Je pense que je vais déjà en ouvrir un dans la salle de bain tout de suite là, ce soir. 17. Ah, de nouveau un masque, cette fois-ci vert. Toujours de la gamme Instamask et nous avons cette fois-ci le purifiant plus lissant. Donc ça, je pense que c'est celui qui correspond le mieux à mon type de peau. Trop mignon ces petits formats peau comme ça, c'est déjà le troisième et très très contente de découvrir ça dans le calendrier. 18. Ici. Oh! On retrouve l'huile prodigieuse florale qui est la petite dernière de la marque et que je n'ai pas testée avec son petit bouchon rose gold trop mignon. Je vais sentir parce que je suis curieuse pour le coup. Bah écoutez, ça sent très bon. Je trouve que c'est plus discret que la classique qui sent vraiment l'été. J'ai vraiment hâte de la tester et si ça vous intéresse, je vous en reparlerai. Dites-moi si vous connaissez l'huile prodigieuse dans les commentaires et si oui, quelle version vous préférez. 19. Ah, et bien voilà, je vous en parlais tout à l'heure, on a cette fois-ci le gommage corps fondant qui va avec le gel douche à la fleur d'oranger et à l'amande. Je l'adore, il fonctionne hyper bien. Le gommage est assez fin, mais fonctionne vraiment très bien sur la peau. Parce que je commence à me lasser de ces gommages qui sont tout doux mais qui exfolient rien du tout. Il faut quand même que ça puisse éliminer les peaux mortes et celui-ci fonctionne très très bien sans agresser la peau, donc gros coup de cœur et trop contente de le découvrir par ici. Case numéro 20, de nouveau un produit Nuxmen, il s'agit du gel multifonction hydratant pour tout type de peau, même sensible, énergisant et matifiant. Donc cette fois-ci c'est un gel hydratant. Et je crois que mon amoureux aime bien ce format un peu gel, un peu frais. Donc pareil, à tester, format 15 ml pour découvrir, très sympa. Et à voir pour un futur retour. Case numéro 21 qui est toute petite, j'ai un peu peur. Et j'avais raison d'avoir peur, on y retrouve un deuxième échantillon. Et je crois que c'est le même parfum que tout à l'heure. Ah non, tout à l'heure on a eu le matin des possibles et là on a le soir des possibles. J'ai même pas senti tout à l'heure. Oh là là, je suis hyper nulle pour les odeurs. Si je trouve les notes, on vous les mettra par ici. Donc pour le soir des possibles qui est celui de la case 21. Et puis pour le matin des possibles
hop, qui était tout à l'heure dans la case 14, donc avec les notes, si on les trouve. Mais bon, un peu déçu par le format là, quand même. Dans la case 22, on trouve, dans un trop joli packaging je trouve, le gommage gourmand nourrissant corps rêve de miel en format 30 ml. Donc là encore, c'est un format qui reste correct, mais on utilise quand même beaucoup de produits, donc je pense qu'on en a pour deux fois environ. Mais très sympa pour tester, et je crois que je n'ai jamais testé cette version là, donc très très contente de découvrir. Case numéro 23, dans un format qui est tout allongé. Ouh, alors ça c'est chouette. Nous avons le fameux baume à lèvres, stick lèvres hydratant au rêve de tournesol, non, au miel de tournesol de la gamme Rêve de miel. Pour les lèvres desséchées et abîmées, je pense, je ne suis pas persuadée, mais je pense que c'est un full size. Le format est de 4 grammes et ce baume à lèvres fonctionne très très bien, que ce soit en stick ou en pot, donc je suis ravie. Et je pense que l'amoureux va me le voler, parce qu'il aime bien voler les baumes à lèvres. Et on termine par la dernière case, la numéro 24. Alors, à quoi je m'attends? J'avoue que je sais pas trop. J'aurais peut-être vu l'huile prodigieuse pailletée là. Qu'est-ce qu'on peut avoir? J'allais dire un full size, mais non, vu la taille de la case. Aucune idée. Oh, j'avais semi-deviné, si j'arrive à le sortir. Et bien pour terminer, c'est effectivement une huile prodigieuse en format 30 ml, donc ce n'est pas un full size, mais c'est un très joli format pour terminer ce calendrier. Ça fait vraiment un chouette produit, et surtout un produit phare de la marque à découvrir si vous ne le connaissez pas, ou à redécouvrir si vous l'aimez déjà. Très chouette, je suis agréablement surprise pour cette 24e case. Et voilà tout pour l'ouverture de ce calendrier. Honnêtement, je suis très satisfaite de son contenu. Il y a deux cases qui m'ont un peu déçue, mais ça reste quand même correct. Je trouve que la marque a vraiment fait un effort en proposant un calendrier 24 cases avec 24 produits. Il n'y a pas de goodies type élastique à cheveux, lime à ongles ou ce genre de choses qu'on apprécie pas vraiment. Donc je trouve que le contenu vaut le coup et qu'il a un bon rapport qualité-prix. On ne connaît pas la valeur estimé des produits présents dans le calendrier, mais je pense que le calendrier est rentabilisé. Et j'ai été très très contente de le recevoir et de le découvrir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si le contenu vous plaît, si vous pensez l'acheter, ou si au contraire vous passerez votre chemin. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !